Bonjour à tous, ici Raven de Team TK, et aujourd'hui on continue notre aventure sur Monster Hunter Sunbreak. J'espère qu'il n'y aura pas de bug, on verra bien. Raven, malgré le fait que je sois une princesse, je dois assigner de dangereuses missions aux chevaliers. Je dois avouer que c'était frustrant de ne pas pouvoir chasser. Protéger ton peuple, toutefois. L'autre jour, Rondine m'a écrit pour me dire qu'il y avait d'autres façons d'aider, ça m'a soulagé. C'est quelque chose que Fugen l'Ancien disait apparemment, un sage de Kamura. J'espère être comme lui un jour. D'ailleurs, il faudrait que je parle avec les gens. Ça suffit, Chicha, tu t'occupes des quêtes à présent, un peu de sérieux. Désolé, mon imagination parfois. Bref, j'ai une quête concernant à la fois Elgado et Kamura. Une quête urgente. J'ai toute confiance en toi, et j'espère que tu mesures l'honneur qui t'est fait. On compte sur toi. C'est quoi la quête? C'est dans la jungle, parfait. Donc Blocus Tetranodon. Ok, alors avant ça, je pense que je vais essayer de discuter avec les gens. On a décidé de te donner cette quête, c'était logique, étant donné son importance pour Kamura, puis ton nom a été proposé. Tous les habitants de Kamura te font confiance, c'est clair. Ok. Oui, d'ailleurs, je confirme bien que c'est bien la seiyuu de Toubi qui fait Fioren, parce que ça se. Enfin, je me doutais bien l'avoir reconnu. D'ailleurs, lui, Sieur Jay, lui, sa voix, c'est celle de Lloyd dans Spy Family. Pour elle, c'est. Si je dis pas de bêtises, Lushika, c'est Shaltir dans Overlord. Et les autres, j'ai pas trop deviné par rapport à avant. Donc du coup, ah si, elle, je crois que c'est la voix de celle de Hate You, mais en anglais, je crois, je suis pas sûr. Je sais plus si c'est en anglais ou en japonais. Enfin bref. Du coup, on va retourner à la place pile poil parce que justement, je voulais discuter avec Rondine si jamais elle avait des choses à dire, parce que en général, elle dit beaucoup de choses. C'est d'ailleurs elle qui disait que a été spécialisée dans le katana, alors que sa sœur, elle, était spécialisée dans l'épée bouclier. Ah bah oui. Bah, du coup, on va en profiter pour tout récupérer. Parfait. Discussion. Ça y est, tu es sur le départ. Dès que tu auras fini de dire au revoir, va voir ma sœur. Il y a un peu de route pour aller à l'avant-poste d'ici. Mais tu auras toujours droit de passage, je suis désolé. Promis, je ferai le maximum pour te faciliter les choses. Ok. Maître Amon a donné des instructions au forgeron d'Elgado l'autre jour. Shino a travaillé très dur. En ce moment même, la technique de Kamura est transmise à l'ensemble du royaume. Ce qui signifie que j'ai enfin pu dévoiler le but de ma présence ici. Quel soulagement! Je n'ai fait que mentir et tromper, mais tout le monde fait preuve de gentillesse envers moi. Je n'aurais jamais imaginé que tu partagerais tes connaissances secrètes en matière de forge aussi facilement. Oui, je pense aussi que on a un peu divulgué les informations de manière un petit peu évidente. Je n'oublierai pas ta générosité. De la part de tout le royaume et de l'ordre royal, je te remercie. Ok. Mince. Je me fais toujours avoir. Je crois qu'on avait vu le chat aussi. Donc normalement il devrait pas y avoir de problème. Du coup, est-ce que j'ai une arme que je peux faire? Ah voilà, le tranchant noir. Ah bah j'ai suffisamment de trucs. Ah ouais, 230 avec tranchant blanc dès le début. 5% d'affinité. Bon bah écoute, gratos hein. Tac. Et oui, équipé maintenant. Hein. Alors oui, je perds Berserker. Mais bon, perdre 5% sur le critique, c'est pas très grave. En vrai, c'est pas très très grave. Je vais créer un joyau calamité. Je pense que je vais créer. Et bah en vrai, avantage défense. Oh ça c'est bien ça.
Ouais, c'est pratique pour les pébouliers. Bon, on va créer le spectre oiseau, hein, tant qu'à faire. Il en faut combien? Ah, il en faut 10 par contre. Ah, c'est pas ouf. Mais je crois qu'en plus, les talents calamité sont valables que pendant la calamité. Je sais plus. Enfin, bref, de toute façon, ça ne nous sert pas à grand-chose. Du coup, on va aller manger, tranquille. Oh bah, bah parfait, on a tout eu. Alors qu'il y avait que 50% de chance de les activer. Alors c'est pas exactement ça, mais bon. C'est pas exactement la stat, mais voilà. J'ai pas fait des études en poussées en mathématiques, donc on va pas m'en vouloir pour ça. Moi je suis chimiste à la base. Ok, bon, c'est parti pour le Tetranadon. Du coup, on va en profiter pour chercher les dernières reliques. Il y a des endroits que j'ai pas visités. Je sais qu'il y en a un que j'ai loupé aux dernières nouvelles. C'était. Je pense que vous avez fait la remarque par rapport à celle-ci. Ok. Alors je crois que c'était par là. Du coup, ça va nous permettre d'en profiter pour récupérer les spectres oiseaux. J'aurais peut-être dû d'abord faire l'autre avant, vu que... Enfin bon, c'est pas très grave, ça change pas grand-chose. Alors... Je crois qu'il y en avait une... Ouais, c'est ça, c'était par ici. Voilà. Parfait. Archive antique. Du coup, il doit y en avoir une aussi là-haut. Oh, bah d'accord. Oh, genre? Ok, ouais, c'est pas... un peu bizarre comme ça, mais bon, tant pis. Oh, oh. D'accord. Jeu qui a pas voulu. Poison crapaud, on s'en fout. Enfin non, on s'en fout pas, mais... C'est par ici. Il y avait un trou. Je crois qu'il est par là le trou. Oh, ok, d'accord. Oh non, sérieux? Est-ce qu'on devrait pas essayer de grimper? Plutôt par ici. Voilà. Archive antique et la dernière qui est vous l'avez plutôt bien souligné par rapport à ce qui s'est passé, que je l'avais bien loupé. On va aller la chercher. C'est pas grave, c'est pas pour deux dégâts.
c'est parti. Il est où le tétranodon? Ah ouais d'accord, il est de l'autre côté. Ah parfait. Le gisement, la tortaube, l'escargot. Et voilà, l'archive antique que j'avais oublié de prendre. Du coup, on va en profiter pour lire. Alors, après avoir lutté contre les intempéries, j'ai enfin trouvé les ruines. Il est temps de se mettre au travail. Donc on parle des ruines qui sont là à côté. Un grand parc se trouve au centre des ruines, sûrement artificiel, puisqu'entouré de fresques. Okay. C'est un miracle que ces fresques aient survécu à ces, conditions. Je dois les observer avec soin. Une d'elles représente un dragon transparent. Pardon. Une d'elles représente un dragon transperçant le ciel de ses ailes bleu acier. Est-ce qu'il parle de. Est-ce qu'il parle du Kushala d'Aora? Après, bleu acier. À côté, on voit des humains se prosternant face aux rafales produites par ses ailes. Oui, c'est force. Ça doit être. Ça doit être le Daora. Il s'agit peut-être d'un sanctuaire où il pratiquait des rites pour apaiser le dragon. Ça paraît logique. La fresque continue. Des gens brandissent des lances comme pour affronter ce colosse. Cette tribu a dû trouver un moyen de se rebeller contre la créature plutôt que d'être asservie. Prenant des notes, je réalise que je suis peut-être en train d'assister à la naissance des chasseurs que nous sommes. Je dois terminer mon rapport pour la guilde. Satané les intempéries. Oui, c'est. Ça paraît évident qu'il parle du Daora, des intempéries, un dragon avec des ailes bleu acier. Enfin, bleu acier, il est pas si bleu que ça, mais bon, il a une couleur acier, donc. On va les regarder. Peut-être que justement, il y a la. Il y a la réponse dans le. Alors, du coup, la fameuse fresque. Pas vraiment ici. Bon, pas vraiment là non plus, hein. Ouais. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, je le. J'essaierai de regarder ça un peu plus tard en off si jamais je la trouve. On verra bien. Ah, à moins que c'était sur les ruines peut-être. Après, le truc c'est que sur les ruines, maintenant ça a un peu disparu avec le. À cause de, bah des dégâts, enfin des intempéries, enfin intempéries, l'érosion. Allez, c'est parti, on va taper le tétranodon. Il y a tout le monde qui vient. C'est pratique ça. Ce massacre. Pas mal. Oula.
Ah, j'avais fait le... C'est pas mal. Mince, j'ai un peu loupé mon truc, c'est pas grave. Ah mince. Bon, il faut que je m'habitue hein, à ce truc là. Genre c'est pas passé, ok, bizarre. Hein. Okay, je crois que c'est nouveau ça. Un peu... Oh, d'accord, il touche. Je m'attendais pas à ce qu'il touche. C'est parfait ça. Ah mais non, mais j'ai pas de tranchant rouge, enfin de jauge d'esprit rouge. J'ai pas un... Ah dommage, j'ai pas de truc. Tant pis. Ça aurait pu être pratique. Mais deux fois il a été endormi, c'est un peu abusé quand même. Ouais, je suis un peu loin. Ah je touche pas. Ah je touche pas. Dommage. Oh. Je croyais qu'il faisait un truc. Ok, et il y a des fois il touche, il y a des fois il touche pas, c'est vraiment bizarre. Oh, un peu tôt. Même trop tôt. Ah oui, c'est vrai qu'il peut faire ça maintenant. Oh, il touche. Abusé. Oh, c'est vrai. Il saute plusieurs fois, j'avais oublié. Ouais, il se tient. Au fond, toi, une acre brillante, tout va bien. Enfin, nacre brillante, après c'est pas si... Enfin c'est bien, mais c'est pas... Pas ouf non plus, quoi. Oh, bonjour. Oh, bonjour.
Ah, dommage. Parfait ça. Ouais, je fais comme ça. Oh dommage. Ah dommage. Oh, trop tôt, beaucoup trop tôt. Oh, mais c'est pas mal. Une peau épaisse. Ok. J'aurais peut-être dû prendre la... Genre ça... Ça par contre c'est abusé ça. On voit qu'il y a un truc hein, mais... Ils veulent pas. Ouais, c'est au cas où on se plante. Bah c'est parfait. Et en plus comme ça j'ai pu montrer les derniers trucs pour les archives. Ah, sauvegarder. Bravo. Tes efforts ont permis d'ouvrir le passage entre Kamura et Elgado. Ce passage sert au commerce et à renforcer nos liens. Que notre peuple prospère. D'ailleurs, Dame Inoa, Dame Minoto et Maître Utsushi viennent te rendre visite. Ils devraient être là d'ailleurs. Oh, et puis... Tout vient à point à qui s'y attendre. En attendant, pourquoi ne pas regarder si Shishae a publié de nouvelles quêtes? Ça ne doit pas être facile pour les visiteurs de s'ajuster à l'environnement ici. Mais je voudrais vraiment que les gens se plaisent à Elgado. Je ne sais pas trop quoi faire pour les y aider. Peut-être leur expliquer nos habitudes en matière de chasse et de formation, et d'autres différences culturelles autour de Dango. Est-ce que tu as pu explorer Elgado en profondeur? Il y a beaucoup d'individus uniques par ici, et pas juste des chevaliers, d'excellents artisans aussi. Ah oui, la vue, ouais, je savais bien que cette phrase me disait quelque chose. Un couloir sécurisé a été instauré entre Kamura et Elgado, merci. À l'heure où je vous parle, les visiteurs provenant de Kamura sont en chemin. Peut-être sont-ils déjà arrivés, Fioren a raison. Les gens vous aiment. Ok. Oh, chasseuse, tu peux me rendre un service? Tu as entendu parler des champignons? Prisé de la jungle. On m'a demandé d'en cueillir, mais il fait trop chaud et humide. T'auras ma reconnaissance éternelle si tu allais me récupérer de ces champignons visqueux. Qu'est-ce que t'en dis? Marché conclu? Je t'aiderai à améliorer une arme super mignonne. Allez, s'il te plaît. Et c'est pour avoir quoi? Ours sommeil. Ah bah oui, évidemment. Je voudrais te parler d'un sujet qui me tient à cœur, tes palicots. Nagi de l'atelier Pilepoil a lancé une campagne d'amélioration guérisseur. Suppie l'aide à la promouvoir. Termine 3 quêtes de rang maître avec un palico de type guérisseur, c'est tout. Je suis convaincu que ton palico va apprendre une habilité super intéressante. Ok. Apprendre. Chirotrèfle. Curatif. Ok.
Ça dépend qui peut le faire. Ça se passe comment avec tes palicots, tes pile-poils ont assez de poissons? Pardon, je ne peux pas m'immiscer. C'est juste que Nagui m'a dit que la campagne, la voie du chapardeur est disponible dans l'atelier pile-poil. Tu as juste à réussir trois cartes avec un palico ange gardien. Fastoche, hein, une promenade de santé. Je sais que t'as autre chose à faire, mais c'est bien d'aider tes amis à poil, non? Apprends brume miaou mythique. Ok. Je sens que c'est le genre de truc qu'il va falloir que je fasse un peu en off. Alors, oui, toi tu vas me dire que t'as trouvé des trucs fascinants. Statue Astalos! C'est bien ça! Attends, statue Astalos, y a pas de statue Tama? Vous foutez de ma gueule? Une remarquable solution de fusion. Une solution qui fera merveille au centre de fusion. Ça ne te servira à rien d'autre, alors autant le mettre dedans. Pourquoi ne pas essayer par toi-même? Ok. Je crois, hein, je crois qu'il y a que. Alors, du coup, mon pile-poil, il est quoi? Ah, il est ange gardien. Ok. Ouais, mais bon. Je préfère ange gardien parce que, bon, je veux dire, prison toxique, c'est quand même. On va pas se mentir, c'est quand même fort. Ton palico, il bosse bien. J'ai des informations qui devraient le rendre encore plus efficace. Il y avait de type guerrier, c'est. Voilà, donc. Là, c'est pour apprendre amélioration féline. Ok. Alors, Fran, qu'est-ce qui te. Nom d'un bretzel, tu tombes à pic, j'ai besoin de ton aide. On m'a demandé d'immortaliser le moment où un ermiteur daimyo se sert de ses pinces comme bouclier. Ah, prends des photos, c'est pas mon truc, alors en pleine chasse, oublie. Ok, donc. Ah, pour avoir des grands phylloptères! Ok, ouais, en vrai c'est facile. Enfin c'est facile, faut trouver le moment. On brique le pont. Type chapardeur. Coffre de loterie, ok. Bon. Alors, on va juste regarder dans la. Génial, ça a bugué. Alors ça a bugué mais c'est pas très grave parce que de toute façon il se passe rien, c'est juste au niveau du son. Donc c'est pas très très grave en soi. Je vais juste continuer en là. Donc là vous voyez rien malheureusement, mais bon, c'est pas très très grave. Je suis juste en train de voir les figurines et je crois que oui, il n'y a pas de figurines Tama, hein, c'est bien ce que je pensais. Eh oui, il n'y en a pas. Quelle arnaque! Par contre, il y a celle de l'Astalos. N'a aucun sens. Est-ce que Fukashigi l'informateur il a des trucs à dire? Je vais cracher le premier secret. Non, on l'a déjà vu, donc ça ne sert à rien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec qui parler? Non, il n'y a personne d'autre. Enfin si, à part la petite, donc du coup on fera ça dans la prochaine vidéo. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant la prochaine, je vous dis bonne chasse!